Et bienvenue dans Rendez-vous Info. Nouvelle yo, c'est le secrétaire d'État américain Mark Pompeo qui mettait un message sur le réseau social Twitter pour demander aux autorités haïtiennes l'élection législative qui était déroulée depuis longtemps, doit être faite en 2021, une fois techniquement possible. Parlementaire américain, démocrate pour fort, prend position contre l'élection tout autant, conditions pas réunies. Mais ça apparaît après le secrétaire général de l'Organisation État américain, Luis Almagro, demandé autorité pour élection déroulée dans fin mois janvier 2021. Président Jovenel Moïse a déclaré ça pas longtemps, après élection pour renouveler personnel politique là dans mois qui venir là. De l'autre côté, président du Sénat François Sildor a encouragé autorité pour venir au consensus sur formation conseil électoral provisoire. Sénateur Sildor a pris une question journaliste parmi eux correspondant nous Renan Toussaint. Or l'article 249 là, il parle de qui gens pour conseil électoral provisoire composé. Il y a donc un représentant exécutif. Or, l'exécutif n'est pas nommé un représentant. Il y a donc un représentant de la conférence épiscopale. Or, l'église catholique et l'école réformée n'est pas nommé un monde. Il n'est pas nommé un monde. Il y a donc une université. L'université n'est pas voyée un monde. Les syndicats n'est pas voyée un monde. C'est quatre grandes institutions, quatre grandes composantes. Tout le monde qui a connu ça, l'église, parle d'un côté laïcité. C'est-à-dire pour un pied, ma parle au côté nous-mêmes en Haïti, dans le pays quoi Haïti, l'église qui est là dans la ville, que ce soit catholique, que ce soit protestant, il ne peut pas représenter. Donc c'est une grande institution côté dans une grande partie de la société, c'est-à-dire qui n'a pas senti, qui n'a pas représentant. Si vous regardez maintenant l'université, l'université, dès pour jeunes maintenant, c'est flambeau, c'est symboliser la jeunesse. Et tout le monde connaît que près de 60% de la population a 40 ans, c'est la jeunesse qui l'a. Donc l'université n'a pas de représentant. Syndicat, tout corps de métier, tout corps professionnel, il n'y a qu'un syndicat constituant reconnaître ça, il n'y a pas de représentant. Donc on voit que il y a un bagage qui n'a pas marché. Il y a un bagage qui n'a pas marché, effectivement. Donc ça veut dire que respect strict de l'application de la constitution par jeune. Donc, il y a formé. Mais ça qui doit là, c'est un mandat. Mandat, maintenant, c'est organiser un référendum pour une nouvelle constitution. Le Sénat de la République a sorti une note pour dire son bagage qui demande sagesse. Parce que son gros engagement sur 20, 30, 40, 50 ans. Et société à ces constitutions, c'est bon, on a fait un petit amendement seulement. Mais on parle d'une nouvelle constitution. Donc, il est difficile maintenant pour un monde qui est au pouvoir seulement, le président exécutif, prend une décision pour faire une nouvelle constitution. Okay? Et ça peut demander sagesse, sérénité, patriotisme pour permettre que tout le monde puisse participer à la nouvelle constitution. Mais ça n'empêche pas l'exécutif de le proposer. On doit critiquer le gouvernement ou on ne doit pas d'accord. Parce qu'une constitution, l'offre une nouvelle constitution en amont, il faut offrir une assemblée constituante pour faire. Un, ça doit offrir pour gérer. Mais deuxièmement, il faut le voter. Il faut le voter en aval. À deux, on doit faire une nouvelle constitution, la population n'a pas voté. Les boudels en aval. Donc ça signifie que maintenant, il faut aller plus sagesse, plus sérénité avant de faire, permettre toute population, toute société, toute couche en société à participer pour le connaître ces bagailles qui parlent régie société. Étudiants dans l'Université d'État d'Haïti continuent de manifester collègues après l'assassinat collègue Grégory Saint-Hilaire, étudiant de l'école normale supérieure, qui mourit en babal dans l'ancienne faculté de octobre passé. Entendez quelques étudiants manifestants. On dit que l'autorité a déjà ouvert une enquête pour faire lumière sur le monde qui est responsable assassinat étudiant. Aujourd'hui, 15 octobre, ça fait notre 13e jour dans la rue. Depuis côté que yo assassiné frère nous, non seulement yo assassiné yo dans une faculté avec yo balando. Nous-mêmes, nous dit que nous pas des âmes en dans ces livres nous gain. Mais yo nous finissons de faire nous et puis on boule les bibliothèques nous. Et bien nous-mêmes, nous disons que il y a des caractéristiques qui font pouvoir ça. Pouvoir ça non seulement, ni pas blé, ouais, moun qui connaît, ni que moun qui connaît, moun qui a étudié, mais également pouvoir ça lui-même, les bons aspects
pyromane dans la caille tout. Donc pour pyromanie et puis on épistémophobie qui caractérise pour voir ça. Et l'autre barre n'a dit par rapport à ça qui passe là. Nous même étudiants qui réunis là, qui sont dans différentes universités dans le pays là, dans différentes entités dans l'État, université de l'État public, et bien nous dit clairement que nous baillons la primature, nous baillons par les nationales, nous baillons ministère de la justice, nous baillons par les nationales, nous baillons Dimitri Erard, nous baillons parquet de Port-au-Prince en bref délai, 6 semaines prochaines. Si vous n'avez pas de responsabilité, vous avez identifié nous qui est-ce qui tourne de Gorus, qui assassine frère nous. Vous avez identifié nous qui est-ce qui assassine, qui lâche, qui assassine de Gorus Saint-Hilaire en deux propres facultés là. Et bien nous-mêmes nous disons, n'importe mouvement revendicatif qui prend le prendre sous béton, étudiant, n'importe ça, la police fait étudiant, n'importe ça, l'autre groupe fait étudiant, et bien ce soit responsabilité par les nationales, ce soit responsabilité la primature, ce soit responsabilité ministère de justice, parquet de Port-au-Prince, direction sécurité publique, et puis c'est absolu responsabilité tout le monde qui va coopérer pour rendre bah, ça l'aime l'effet effectif en pays. Nous prenons la oui, hein? L'objectif de base là, c'est finir avec le système ça. Nous besoin d'un autre système. Un système côté que les jeunes dans l'université ne peuvent pas prendre. Direction politique, opposition démocratique, c'est non une nouvelle coalition politique, différents partis, tant que Mokrena, Uniforce, Unité, Parti Fusion Sociodémocratio, AAA, secteur démocratique à populaire avec OPL, avec divers lots, mettait campé pour forcer le président Jovenel Moïse remettre pouvoir. Ancien sénateur Edgar Leblanc, fils, dit y a tant l'autre parti politique avec organisation rejoignant dans bataille. Depuis plusieurs mois, une quantité de partis, organisations, groupements politiques, acteurs dans la société civile, mettent tête ensemble pour faire face carré à régime dictature PHTK, pour faire respecter la constitution et puis faire pays à fonctionner dans l'ordre et la démocratie. Et structure politique, ça y est, dans l'opposition, fait concertation avec un pile d'autres organisations politiques et un pile monde dans la société civile là, pour atteindre l'objectif. Peuple haïtien habitué à suivre la position publique, parti et organisation politique, ça y est, sous divers événements qui passaient dans la conjoncture difficile pays à plusieurs fois déjà. Je dis, nous voulons présenter devant l'opinion publique là une structure, direction qui porte nom direction politique, opposition, parti et organisation politique qui forme une direction politique. Ça, c'est Haïti en action. Façon structurelle à diriger dans la journée mobilisation bien obligé. Nous arrivons au moment 17 octobre. 17 octobre, ça, dans le cadre de commémoration, la mort Papa Dessalines. Papa Dessalines, en tant que leader mondial, en tant que papa, la liberté, je dis, nous pas senti dans pône pour nous commémorer la mort de Dessalines. Parce que, ensemble, moun qui t'a assassiné Jean-Jacques Dessalines, Chodia, c'est eux même qui gagne monopole la mort nan men yo k'ap continuer massacrer, tuer petite terre, petite papa de Saline yo. Parce que dans sens ça pour nous commémorer la mort Jean-Jacques de Saline. Ensemble secteur de l'opposition. Nous lancer plusieurs mouvements de mobilisation pour 17 octobre. À partir de samedi 17 octobre dans tous 10 départements pays, et je ne vais toujours dire au niveau Vive Haïti, à partir du mois d'octobre là, et surtout 17 octobre là, mobilisation est déclenchée. Nous n'avons pas besoin ni notification de la police. Parce que jour et jour, nous n'avons pas gagné la police encore. La police là, est dégradée. La police là, détruit tête li. Son la police, nous allons repenser après le départ Jovenel 7 février 2021. S'il n'y a pas de temps, aller avant. Parce que journée aujourd'hien l'on dans la rue ou pas contre qui moun ki la police ou pas contre qui moun ki gang ou pas contre qui moun ki Genève parce que yo tout yo font seul et y a roulé dans même machine yo gen même uniforme mais dans qui situation ni qui donc mobilisation 17 octobre là son mobilisation non stop et nous dit peuple haïtien arrangez-vous
nous avons fait 18 novembre 1803. Nous fait 7 février 86. Nous avons continué à faire l'histoire. Depuis nous voulons faire l'histoire, nous avons fait l'histoire et nous sommes sûrs et certains. Les pays sont prêts pour nous faire l'histoire. Le réseau national tête calée, le gouvernement politique a supporté le pouvoir en place là, mandé le peuple là pour ne pas participer dans l'assemblement samedi 17 octobre là. Kenton Nui, c'est coordonnateur général du réseau national tête calée. 17 octobre, c'est un gros jour, c'est un gros date qui rappelle nous l'an mort, papa nation. C'est un jour côté que pour toute structure organisant dans le pays, on a fait des séances de formation, journées de réflexion autour de cette date. C'est pas un jour pour nous sauter dans la rue, pour nous craser, briser, pour nous faire violence. À chaque fois, nous utilisons le 17 octobre pour nous faire violence dans la rue, nous retourner, nous re-assassiner Papa Nation. Parce que ça a montré nous pas grandi comme peuple. Ça montre jusqu'à présent la fond politique nous installe à Caïque. L'étendre dans le pays d'Haïti pour que nous fassions la politique moderne. Yon politique pour développement. Yon politique qui vise progrès pays nous. Si nous faisons politique là c'est détruire la détruire peuple là. Politique là c'est détruire la détruire pays là. Mais qui intérêt nous gagner dans la politique ça? C'est peut-être ça. Réseau national tête calée. Qui a parlé là non toute tête calée dans le pays là. Mandez-nous, pour journée 17 octobre là, pour nous bouder manifestation de l'opposition. Retchit à la caille nous, deux, trois tigrines, l'argent arrivé sous Yoa, il n'y a pas sorti dans la rue. Mais majorité peuple là, réseau national tête calée, dit nous, ret la caille nous, pas à la manifestation de yo. Parce que manifestations sont industries que liées pour nous. Dis-nous pas praler. C'est pour nous suspendre, faire nous venir riche sous nous. Journée 17 octobre, là, peuple haïtien, il y a plus d'importance pour nous. Il y a plus d'importance pour tout patriote. Il y a plus d'importance pour tout nègre qui aime le pays. Il y a plus d'importance pour nègre, ok, qui a sans des salines dans le cap couler dans le vin. Mais nous pas praler faire violence. Nous ne pouvons pas manifester. Nous ne pouvons pas bouler les machines de la classe moyenne. Nous ne pouvons pas bouler les machines de l'État. Nous avons pris la caille, nous avons boudé appel à la manifestation criminelle que l'opposition a lancée. Tant que nous voulons vivre, force Delma, Kato et divers lots qui ont planté piquet devant le local ministère de justice et de sécurité publique pour demander justice. Pour tout le monde qui mourit dans mauvaises conditions et puis pour demander démission président Jovenel Moïse sous pouvoir. Il a demandé justice pour massacre qui a fait un quartier populaire. Abaye Jovenel, abaye insécurité, vive un nouvel système. Étudiants de différentes facultés manifestés dans la rue Port-au-Prince avec Livenant Meyo pour continuer à réclamer justice pour professeur yo, Maître Montferrier d'Oval, à collègue Grégory Saint-Hilaire. Si vous n'avez pas de responsabilité, vous avez identifié nous qui est-ce qui tue Grégory Saint-Hilaire. Qui a assassiné, frère, nous. Identifié nous qui est-ce qui a assassiné, qui lâche, qui a assassiné Grégory Saint-Hilaire en deux propres facultés là. Eh bien, nous-mêmes nous disons, n'importe mouvement revendicatif qui peut être pris en sous-béton, étudiant, dit, n'importe ça, la police fait étudiant, n'importe ça, l'autre groupe fait étudiant, eh bien, c'est sa responsabilité par les nationales. Plus passé 10 caïboulés dans la commune d'Elma, plus précisément, Delma 73, après un gros du fait, est éclaté mercredi 14 octobre 2020. Président Sénat haïtien, sénateur Pierre-François Sildor, remet Premier ministre de facto Joseph Jout, troisième et dernier tranche rapport dossier pédocaribéen pour suite légale d'après Saldi. Monsieur, même processus qui était fait. Lorsque le premier rapport par le premier ministre, hein? Nous faisons le même processus là pour le deuxième rapport, là, le troisième rapport, là, nous remettons par le premier ministre Jout pour la suite de droit. Nous... En termes de réaction, il y a un militant qui a défendu le dossier, ça, M. Antoine Maisonneuve, dit démarche ça visée, enterrée pour ces pétro-caribéens. Il s'agit d'une démarche irrégulière. Il s'agit d'une démarche
anormal. Pourquoi? C'est parce que tout simplement le Premier ministre et Jout Joseph se trouvent à la tête d'un gouvernement de facto. Et il n'est pas reconnu par le Sénat. Et n'oubliez pas que le gouvernement, c'est l'émanation du pouvoir législatif. Et pourtant, le Premier ministre n'a jamais trouvé l'approbation du Parlement du Sénat. Dans l'occasion Journée internationale contre pauvreté, 17 octobre 2021, protecteur citoyen, M. Renan Edouville, mandé autorité replacé et prend toute disposition pour résoudre problème la misère en Haïti. M. Edouville croit que stabilisation Goudlan par rapport à dollar américain, c'est un facteur. Nous croyons qu'il faut que dollar continue de descendre, ça c'est notre position. Au nom des droits de l'homme, au nom des droits économiques, sociaux et culturels, nous pensons qu'il faut envisager une baisse encore du dollar et ceci dans l'intérêt masse peuple, dans l'intérêt population. Perspective pour semaine prochaine, opposition haïtienne a annoncé qu'il a continué à mobiliser jusqu'à ce que il ait forcé président Jovenel Moïse remettre démission dans tête de l'État. Bon week-end tout le monde. Moi c'est Wena Toussaint pour La Voix de l'Amérique depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Coordination départementale ministère conditions femmes et droits femmes, la Tibonite célébrer journée internationale femmes réalio avec femmes dans 3e section communale Tigui-Rivière-Bayonnais qui dans commune Gonaïve jeudi 15 octobre là, un reportage Exalus Mergena. Femmes Riralio, c'est moteur développement PIA, c'est sous thème ça environ une trentaine de femmes dans Tirivière Bayonnais, 3e section communale Gonaïve, célébrée Journée internationale Femmes Riralio, jeudi 15 octobre 2021. C'est coordination départementale, ministère conditions femmes et droits, femmes Latibonite, qui déprend initiative ça. À travers activité ça, coordonnatrice MCFDF Latibonite là, Jeanne Bolivar, voulait montrer femmes paysannes importantio dans société a. Et bien jodi an nou te vle rapprocher nous de yo pour que nous te quitter centre-ville, pour nous te quitter Saint-Marc, pour nous te quitter Gonaïve, pour nous te quitter Marmelade nous toujours là, nous toujours aller, pour nous te quitter Saint-Michel et pour nous te venir dans deuxième section commune de Gonaïve qui c'est Tirivière Bayonnais pour nous venir garder avec mesdames yo journée ça qui c'est journée femme rurale yo. Est-ce que yo connaît qui importance journée ça jodi an a parlé là qui c'est journée internationale femme qui vive en dehors yo? Est-ce que yo konnen yo même yo c'est monde même gens avec tout le monde? Est-ce que yo konnen yo gen importance même gens avec toute femme qui vivent dans zone et la ville yo nou capable di femme les grand orient Port-au-Prince yo? Est-ce que yo c'est femme même gens avec yo? Activité ça qui est déroulée en baillon pied bois dans section communale là, c'est occasion pour les aides Vertilus, coordonnatrice plateforme femme pour développement la Tibonite Plafoda dénoncer mauvaise condition la vie femme yo dans section rurale si rivière Bayonnais. Jodi an nou pa ta ka et prend plaisir nou pa ta ka pour danser parce que nous connaît dans quelle situation mesdames yo a vivre dans section communale yo côté yo pa gen accès à aucun service de base côté jusqu'à date et y a porter femme sous porte ou n'en faire petite y a mouri dans route yo pa ka arriver femme yo pa gen accès avec de l'eau potable jusqu'à date tout de l'eau potable c'est un luxe pour femme dans milieu rural yo jusqu'à date femme yo a tibout manchette a fait agriculture pour yo bay petite éducation ça c'est un bagage qui dit en pile pour nous mais nous connaît journée jodi a nous vinn di nous vinn plafond da vinn renouveler engagement envers femmes qui dans milieu rural pour nous dire comme ça que pour mesdames yo prend destin en main parce que nous vinn wèch en pays a parler a pas gen personne qui fait rien pour nous pas gen l'état pas gen monde qui prend responsabilité yo et tout monde lagué avec peut-être yo pour compte yo. Invité dans activité ça docteur Jean Harold Anastor qui t'a parler avec mesdames yo sous santé communautaire te profiter lancer appel by autorité replacé yo pour mander yo doter Tirivière Bayonnais infrastructure sanitaire qui permettre femmes dans section ça gain accès à soins santé. Mammographie a permettre de dépister ça le cancer du sein. Ça c'est un plus gros problème et le fait que nous développons le système de couverture sanitaire yo, parfois les timoun nan rive pour la fausse césarienne pas gain anesthésiste pas gain courant donc
yo obligé référer moun yo pou yo référer ou porter à privé yo konnen moun ti payen si moun nan mouri nan vat yo parfois yo mouri on pense que dans sens ça n'a pas son appel ba l'état qui ta supposé continuer fort pou yo ta encadrer vany mesdames sa yo k'ap font travail important nan communauté a pou pa ta kite yo péri Jean Bayo a passé qu'on y a là. Célébration Journée internationale femme milieu rural yo té occasion pour quelques nan participants yo qui c'est responsable organisation femme dans 3e section ti rivière Bayonnais montrer contentement ak talent yo. Femme haïtienne, c'est lumière pays. Où c'est la terre, où c'est la terre. Exalus Mère Jeuna Bonaïve pour la voix de l'Amérique. C'est en présent plusieurs centaines citoyens haïtiens, membres famille Moïse, corps diplomatique là. Membre gouvernement, funéra Étienne Moïse, papa chef l'État haïtien, Jovenel Moïse, chanté vendredi 16 octobre là, dans la localité Madeleine, tout ville cap haïtien. N'a pas opposé, Hélène Tournée, nous allons parler de l'élection présidentielle américaine. Nous connaissons que l'ancien vice-président Joe Biden a fait face carré avec le président sortant Donald Trump. Président républicain Donald Trump avec candidat parti démocrate là Joe Biden parie pour participer dans dernier débat jeudi 22 octobre qui vient là. Deux candidats ont répondu question téléspectateurs jeudi 15 octobre là sur deux chaînes télévision différentes. Président Donald Trump avec rival démocrate Lia ancien vice-président Joe Biden participer dans deux émissions télévisées différentes pour répondre question téléspectateurs au lieu pour te faire un débat face à face jeudi 15 octobre là. Président Trump a refusé de participer dans le débat après la commission présidentielle débat. T'es suggéré pour te faire à distance pour raison santé à cause président t'es positif pour COVID-19 là. I was in North Carolina today and did a big rally with tremendous turnout and I just feel really good. Florida, Pennsylvania, we're all over the place. Président Donald Trump, qui t'a répondu à une question aux téléspectateurs sur la chaîne télévision NBC, parlait pour dire maintenant dans Caroline du Nord, côté moi t'ai participé dans une belle rencontre populaire avec un pile supporter. Nous avons monde tout côté, tant qu'en Floride, même gens en Pennsylvanie. Président Trump défend une façon de gérer la pandémie COVID-19 là. Président cité comme exemple, il était interdit vol sorti en Chine dans fin mois janvier 2021 pour entrer aux États-Unis. Ancien vice-président Joe Biden beaucoup de parle par président une mauvaise note pendant il t'a répondre question téléspectateurs sur chaîne télévision ABC. There's a presidential responsibility to lead and he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying in my view about the stock market. C'est responsabilité président pour le diriger mais il pas fait. Il n'a pas dit rien sur ce qui doit être fait à cause d'après moi-même. Marché la bourse là continue à fracasser de préférence. Président parti démocrate là, Joe Biden, dit Trump a dû mettre pression sur le gouverneur Itaïo avec Maïssa Communalio pour appliquer restrictions d'après lui qui est capable de sauver la vie en pile monde. Sénat républicain a contrôlé, il a pour le voter 26 octobre au cabinet là, son nomination juge Amy Coney Barrett que le président Trump proposait pour combler un poste vide dans la Cour suprême. Non. Après la commission judiciaire a voté en faveur jeudi 15 octobre là. Si le Sénat a confirmé le choix, eh bien, il est capable d'aider à décider dans une élection contestée. It would be totally up to her. I would think that she would be able to rule either for me or against me. I don't see any conflict whatsoever. Il n'a de cas, ça va entièrement dépendre de lui. Moi, quoi, il est capable de décider en faveur ou bien contre moi-même. Moi, pas ouais, aucun conflit sous question. Ancien vice-président Joe Biden n'a pas écarté possibilité pour augmenter la quantité de membres dans la Cour suprême non pour changer l'équilibre. Well, I'm not a fan. I didn't say it depends on how this turns out. Une réponse qui était dans la chaîne télévision, mais il dit moi pas un supporter. Ça va dépendre des résultats de l'élection. Deux candidats sont d'accord sur un seul bagaille. Président Trump déclaré nous avons une élection qui a privé sous nous là. Moi, quoi, c'est l'élection qui est la plus importante dans l'histoire des États-Unis. Ancien vice-président Joe Biden pour mettre pour le travail avec les républicains, s'il remporte l'élection, peut-être qu'il y a un pile bagaille, nous vraiment d'accord entre nous. Entre-temps, il y a un pile bagaille qui est divisé de partis politiques. Vote anticipé a commencé dans plusieurs États depuis quelques temps. Président Trump avait été capable de gagner un pile fraude. Puis, fort expert, dit que ça n'a pas existé. Modératrice NBC a demandé président Trump s'il a accepté les résultats de l'élection. And the answer is yes, I will. But I want it to be an honest election, and so does everybody else. Les Américains répondent pour dire oui, m'a pas accepté résultat, mais moi voulais c'est une élection honnête avec tout le monde qui est impliqué dans le processus là.